Hey, Bon, 2 janvier 2023, la gang, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça rock on. J'avais hâte que 2023 commence. Par contre, peut-être certains l'ont vu sur mon community update sur le YouTube ce matin. Là, on est le 2 et puis on n'a pas de nouvelles de quittement. Fuck all. Dans la mesure où Vivi, on n'a pas de news. On en attend sûrement dans les jours qui viennent. On a plein de choses qui s'en viennent, mais le market est mort. Les prix montent un peu. Mais on n'a on a pas comme de big deal. Puis, je vous avoue que je me répéterai pas mal si ce matin on aurait fait un survol des prix vu qu'il y a comme une stabilité du marché qui s'est installée avec le temps des fêtes. Donc. Ceci étant dit, je me suis dit, là, on va prendre un peu de perspective pour 2023, euh, ce qui est possible d'arriver un peu avec les dernières news aussi. On a des news intéressantes qui nous viennent du Fonds monétaire international. Puis, euh, jusqu'à un certain point, on va pouvoir étirer tout ça aussi sur ce qui risque d'arriver avec le Bitcoin, euh, le VV, Omi, etc. Puis, où ce que je pense qu'on euh, se dirige Puis, euh, peut-être aussi ma perspective un peu de ce que je prépare euh, comme micro-stratégie, je dirais. Donc, euh, yeah, that's it. On va aller voir ça ensemble, la gang. Donc, je pensais que j'avais besoin de changer de page. On y est déjà. Ralentissement économique, incertitude à long terme, les prévisions pessimistes pour le FMI pour 2023. Le FMI, ça se trouve être quoi? C'est le Fonds Monétaire International. Ça se trouve être un organisme qui regarde ce qui se passe d'un point de vue mondial avec l'argent. Okay? Puis, selon la responsable du FMI, qui est Cristalina Christ... Georgieva, euh, le 1 tiers du monde devrait être en récession pour 2023. Le 1 tiers du monde, c'est 33%, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Puis, elle, elle ajoute que là-dessus, la moitié de l'Union européenne va être en récession, ce qui est pour la plupart d'entre de vous, vous, vous êtes quoi, 70 à 80%, 90%, je pense, à être européen qui écoute ma chaîne en ce moment c'est pas bon signe c'est pas bon signe okay? puis elle continue en disant que euh, les États-Unis vont être en meilleure shape mais jusqu'à un certain point parce qu'on n'est juste pas affecté par la guerre mais que tout ça euh, va nous affecter quand même parce qu'il faut avouer que il a pas juste l'Union européenne il y a la Chine qui diminue de beaucoup ses activités à, à cause de leur politique Covid 0 qui veut dire euh, zéro Covid permis nulle part ils sont très ils sont à cheval sur euh, leur politique là bas donc ça a l'air de causer beaucoup beaucoup de sou ressources déjà euh, à venir et actuel dans le ralentissement mondial. Donc, euh, je pense que ce qu un certain point, ça va dire, ça va vouloir dire des montées de prix pour beaucoup de commodités, donc euh, probablement la nourriture, peut-être euh, le bois, l'industrie de, de, de l'essence ou. Donc d'après moi, il y a beaucoup de commodités qui vont probablement augmenter de prix. Ce qui veut dire que là Moins d'argent dans le market probablement en 2023. Quand je dis market, ça rentre dans tous les niveaux de market qui sont pas nécessaires à la vie. Donc euh, crypto, probablement, euh, les stocks, euh, les fonds de euh, les fonds d'investissement. Euh, probablement qu'il va y avoir moins d'argent investi dans ces euh, domaines-là pour 2023. Ce qui veut dire moins d'argent dans les NFT. N'oubliez pas en théorie, moins d'argent d'investi dans les projets NFT. En théorie. Parce que là, bon. 2023 peut vouloir dire deux choses qu'un un certain point. Moi, moi je pense que ça, ça va creuser, comme je vous dis, pour la masse population, la population, vous, moi, la plupart des gens normaux, je vais dire, qui ne gagnent pas euh, au-dessus de 1 million par année. OK? Euh, parce qu'être millionnaire de nos jours, c'est pas très dur. Euh, dans la mesure où ce que. Ben, okay, je ne suis pas millionnaire, puis je dis ça. Okay, mais ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de millionnaires. c'est quand même plus un exploit maintenant. Millionnaire. Avant, si t'étais un millionnaire, t'étais hot en tabarnak. À ce temps c'est un billion qui est cool, tu sais. Mais, euh, mais tout ça à cause de la valeur des choses qui a augmenté. Donc là, tout ça, moi, je pense que ça va vous dire que le, les gens normaux vont vendre beaucoup plus de leurs choses pour avoir de la liquidité selon la montée des prix. S'il y a des familles qui se voient avoir moins d'argent, ben ça se peut qu'ils retirent de l'argent de leur compte épargne, ça se peut qu'ils retirent de l'argent de leur NFT, d'un projet où qu'ils ont investi, euh, de ce qu'ils ont en, en staking. Donc, je pense que pour 2023, on pourra avoir des ventes à bas prix pour certaines choses et des prix qui descendent. Donc, ça pourrait être un très bon temps pour acheter. Euh, je pense que ça pourrait tout ça même causer la chute du Bitcoin. Euh, là, je me suis pris des notes, je regarde là parce qu'avec vous, je pense que c'est important ce matin que je, je fasse un bon suivi. Euh, tout ça pourrait causer une, une descente du bitcoin, une perte dans la confiance envers le bitcoin. Surtout que, bon, je me suis trompé, moi j'attendais le bottom du bitcoin 2022, je pense qu'on va l'avoir en 2023. Euh, dans le corps 1 2023, au plus tard, je pense qu'on s'en va voir les 14 000 pour notre Bitcoin que je vais vous montrer juste ici. Regardez, j'ai mis une belle petite ligne à, à, en jaune. Je pense qu'on s'en va là. Euh, je suis dans le dubitatif de mon point de vue à moi. Par contre, on pourrait avoir très bien touché un bottom et je pourrais très bien me tromper. Euh, on, on pourrait avoir vu le bottom en 2022, comme je l'avais un peu dit. Sauf que c'est pas le bottom que je m'attends. Je m'attends à 14 000 bottom ou dans les alentours de là. À gros maximum, 800 dollars de différence à peu près, soit en haut, peut-être plus bas, mais j'aurais de la à croire plus bas aussi. Donc. Si je vois tout ça, je me dis ça pourrait être de très bon temps pour acheter. Par contre, il faut être conscient de ne pas dépenser de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser. Ça peut être vraiment une année importante, critique, dans la mesure où ce que certaines choses pourraient euh, flipper assez rapidement avec ce qui se passe, euh, avec ce qui va se passer avec ces récessions-là, un peu partout dans le monde. Donc euh, il n'y a rien qui indique que le prix ne pourrait pas jumper de 75 cents une jour, une, en, en une semaine ou en un mois, puis faire que vous avez des frais beaucoup plus grands que ce que vous pouviez vous permettre il y a euh, deux à trois mois précédents. Donc, des fois, c'est de faire attention, garder des ressources en backup, de, de l'argent en backup, peut-être pas nécessairement en banque, euh, mais euh, de l'argent à quelque part qui, qui, que vous êtes capable de serrer en sécurité. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, justement, je vais la prendre en Bitcoin. Oui, mais si le bitcoin chute, vous allez vous retrouver un peu dans le. Euh, Peut-être un stablecoin, choisir un bon stablecoin ou euh, encore une fois de mettre de l'argent ou euh, des choses en banque dans un coffre ou peu importe. C'est d'avoir, je pense, euh, un, un fonds de sûreté, je pense qu'on pourrait appeler ça. Donc, ça, c'est ce que je pense que va être important pour 2023, ce qui s'en vient. Par contre, ça, c'est le côté macro. Si je me permets d'aller un peu plus dans le euh, micro, puis qu'on retourne dans le VV stuff. Ok En fait. Je, je, je parle d'un fonds de sécurité, puis je vais y revenir rapidement dans de jumper, parce que j'ai eu une bulle, genre live. Avec ce qui peut se passer en 2023, là, il y a des choses qui pourraient se passer en Europe qui pourraient avoir des effets super puissants jusqu'à jusqu en faire perdre des emplois à beaucoup de gens, peut-être sur la chaîne en ce moment. Donc, des fois, de, de, de se garder, au lieu de dépenser 120$, 200$ dans les NFT à votre paye, c'est d'en dépenser juste 40. Peut-être dans les vivi stuff, puis le garder de l'autre de côté parce que si vous perdez votre job demain matin, même si c'était pas prévu puis que vous vous attendiez jamais à ça. Euh, la vie est faite de surprises, hein? Puis je pense que ce, Je pense que ce serait important qu'on qu prenne ça en, en ligne de compte. Là. 2023 pourrait être sanglant pour beaucoup de gens. Donc, on s'en vaut au... au vivi, donc, pour le V bon, on l'a vu côté euh, macro, on, on, a, on a du bearish sentiment. Okay? Euh, d'un point de vue, il pourrait aussi avoir beaucoup d'investissements puis de catalystes du style des banques, des fonds d'investissement qui investissent, des investisseurs qui mettent beaucoup d'argent dans certains projets parce que justement les prix sont bas, puis que c'est là que les, 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 les gros joueurs ils savent que c'est le temps de faire l'argent. Bien entendu, on prend ça en ligne de compte, mais je pense qu'on va avoir beaucoup moins investissement qu'on euh, qu en aurait eu si on n'avait pas ces récessions-là. C'est bon, mon point. Donc là, pour Vivi, qu'est-ce qu'on a? On a, on, on a une belle année qui s'en vient, mais avec peut-être un market avec moins de liquidité. Donc, quand j'entends et je vois tout ça, je me dis que probablement que David Yu puis toutes les autres avec qui ils vont travailler, pour exemple du marketing, Vivi, etc., Vivi ils, ils ont pris ça en ligne de compte. Ils sont pas caves. Ils se sont dit, ah, euh, euh, d'après moi, on, si on a une récession 2023, euh, c'est très possible que euh, ce ne soit pas le temps de baisse pour le marketing. Donc, ça se peut que soit le marketing soit repoussé, si vous voulez mon avis, ou il soit peut-être investi un peu moins puissant que voulu, ou qu'il soit pas aussi efficace. Même s'il décide de faire le même marketing qui n'aurait pas été prévu, peut-être que ce marketing-là ne va être pas efficace. Par contre, on a quand même ça qui s'en vient. Marketing, on va avoir. Euh, puis on va y revenir. Marketing. On a le OUP, on a le MCP. Puis là, en vérité, on a le Viviverse qui s'en vient. Fait que là, tout ça en même temps, moi, je pense que ça va causer quand même un bon petit hype pour le Viviverse. Je pense qu'on pourrait très, très bien et tout à fait avoir un, une augmentation et un nouveau floor price pour nos collectibles à la sortie de Viviverse. Et ce floor price-là pourrait se maintenir jusqu'à un certain temps. Et je, mais mettons que j'ai à dire en probabilité ce que je pense que ça va causer. Je pense qu'on a 30% de chance que ça crée un nouveau floor et qu'il rechute au, au floor précédent qu'on avait juste avant la sortie du Viviverse. Puis je dis juste avant, avant euh, l'annonce de la sortie du Viviverse à une date X, là, avant qu'on ait une montée de prix parce que le Viviverse arrive. On, souvent on a un floor. Comme là, on, on semble sur un « flat zone » avec nos collectibles, OK? Euh, on a démonté mais ça redescend tout le temps, puis les prix restent sensiblement stables quand qu on regarde des chartes de collectibles qui, 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 qui existent depuis longtemps. On est sur un, un « flat zone » dans leurs chartes. Quand on regarde généralement, regardez là comment on est sur un « flat zone ». Les prix descendent très peu et pas souvent, OK? Donc, ça, c'est un « floor price ». Market, euh, Viviverse, nouveau floor price, mais je pense qu'on a 30% de chance que ça retombe. Par contre, on a 70% de chance, selon mon avis, qu'on reste au nouveau floor price. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, on est sûrement sur des estis de bons moments pour acheter. Là. Le Spider-Man, euh, attendez, le Common ici, le 111 gems. 111. c'est un big deal, il était à 109 la semaine passée, mais c'est encore, encore un bon prix. Dites-vous que first appearance de Spider-Man... C'est fucking nice. C'est juste pour donner un exemple. Là. On en a parlé. On en parle à tous les jours sur la chaîne des fucking exemples de collectibles qui vont avoir des bons prix. Donc, je, bon, on a ça. Euh, je pense que ça va causer. Ouais, Bon, j'avais perdu mon fil, mais m'excuse. ce que je pense que ça va causer vraiment bon, une remontée dans le prix? Puis je pense qu'il y a certaines choses aussi qui vont rentrer en ligne de compte, puis qui s'en viennent, comme les possibilités de crypto pay-in et pay-out, ce qui va permettre probablement une plus grosse liquidité. Ça va s'appeler un peu plus genre, Boom, on met du cash dans la VVH, puis ça va être plus possible de gagner. Euh, D'ajouter du big liquidity, surtout pour peut-être les entreprises et euh, les grosses wells jusqu'à un certain point. Donc là, encore une fois, on a possibilité que ça y fasse pas beaucoup. Par contre, les wells, en ce moment, ça se pourrait très bien qu'on en ait qui commencent à rentrer sur le crypto VV market, mais j'ai l'impression qu'ils vont arriver la plupart quand les prix vont commencer à monter. Il y en a qui vont rentrer quand même avant, mais on sait aussi que euh, tant qu'il n'y a pas une confiance dans un market, Souvent Les grosses wells Les cross grosses, grosses Sont comme un peu euh, Ils vont craindre Un petit peu Parce qu'ils savent très bien Que quand ils vont rentrer Dans le market Ils vont faire Ils sont capables De faire doubler les prix Puis ils vont faire rentrer D'autres gens Puis les prix vont doubler Et tripler Fait que de toute façon Peu importe au prix Ou ce qu'ils risque de rentrer Ils vont être capables De creuser des grosses vagues Dans ces marchés-là Parce qu'ils ne seront pas Les seuls à rentrer dans le marché Généralement Ils vont être plusieurs. Well, sans dire qu'ils rentrent tous en amis, ensemble, en même temps. Euh, ils savent comment la marché comment S'il y, y a une personne qui met 10 millions à toutes les semaines, Et à un moment donné, il y en a d'autres qui vont allumer qu'il y a de l'argent qui s'en là puis ils vont faire pareil, puis vice-versa. Okay? Donc, il y a il y a une étude de marché faite par ceux qui ont de l'argent dans tout ça, donc je pense que bon, CryptoPN, le MCP, tout ça va probablement nous causer des belles hypes. Donc il faut être prêt à ça. Il Faut investir encore une fois l'argent que vous êtes prêt à, à perdre jusqu'à un certain point. Puis ne pas oublier que 2023 peut être sanglant. Ok. Ensuite, encore une fois côté côté micro, vivi, on est bullish, mais c'est le macro qui me fait me dire qu'on va avoir du bullish momentum. Mais d'après moi, on va être sur une on va avoir des montées de prix, mais on va atteindre des stab une stabilité sur... Euh... Aussitôt qu'on va avoir le Viviverse sorti, euh, les Crypto MCP, puis probablement même, ce que je, je voulais en venir jusqu'à un certain point, des nouvelles catégories comme la musique, les animes. On va avoir des catégories de voitures là, sur le Viviverse. Donc, sur Vivi, sans parler de Viviverse spécialement, on va avoir des cars euh, Lamborghini là, sur Vivi. Fait que là... Tout ça, c'est sûr que ça va nous remonter les prix. Par contre, je pense qu'on va avoir une montée puis une stabilisation assez, assez rapide. Euh, probablement pour les six prochains mois. Après, euh, mais les marchés vont se stabiliser et qu'on va rapprocher de 2024, je serais pas surpris que Noël prochain, on ait de plus gros drops qu'on a eu cette année. Parce que cette année, sans dire que ça faisait cheap, c'est que c'était pas du collectible de ouf que les gens capotaient puis trouvaient des billes mentales dans la tête. Enfin, c'est le plus hot que moi j'ai vu. Mais Quoique la Avenger Tower est cool, mais sinon, le plus hot que j'ai vu, personnellement, ça restait comme le Coca-Cola Truck. Donc, c'est un peu... Euh J'étais un peu perplexe par rapport à Noël de cette année, mais j'ai envie de dire que c'était voulu. Ils savaient, on est dans un beer market. Tu ne pas des affaires, des affaires de fou dans un beer market. Comprenez-vous? C'est des belles pièces, des low-mint, mais ce n'est pas piles mental profond. Okay? Pourquoi? Parce que c'est pas le temps de sortir les affaires. c'est pas le temps de sortir, tu sors ça l'année prochaine. Donc, musique, anime, les chars. Euh, pff, euh, en plus que le marketing, c'est ça, je vais revenir au marketing. En plus que là, on est pour avoir un marketing. Là, tout ça, belle montée des prix, mais je pense que tout ça va venir en corrélation avec des drops de NFT précis, particuliers et... Parce que s'ils si se mettent all-in dans le marketing, malgré la récession qui s'en vient et les marchés downtrend. S'ils se mettent en ligne de marketing, la façon la plus logique pour eux de faire du marketing, là, je vous donne mon avis personnel là-dessus, là, notre financial advice, vous le savez, jamais aucun conseil financier est donné dans une vidéo ici, mais si ils viendraient qu'à faire du marketing, leur façon simple de faire du marketing, une fois que le OOP, Maxi, MCP, puis peut-être même le crypto pay-in and out sont faites, euh, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent des collectibles, les IP avec qui... Euh, les propriétés intellectuelles, ceux que les « own », genre Disney, font un marketing sur leur page. Après, si c'est... Euh, peu importe la compagnie, DC, ils font une, une, une pub. Là, c'est ce qu'on n'a pas vu durant les dernières fois. On a entendu très peu les autres compagnies chez qui on a des IP faire du marketing. Là, je pense que... Euh, Vivi va en faire. Genre, s'ils sortent, exemple, euh, mettons, il aurait sorti un Avenger Tower euh, dans 3-6 mois. Mais je pense qu'il y aurait peut-être fait un petit marketing. Marvel en aurait parlé. Disney en aurait parlé. On aurait vu plusieurs trucs apparaître sur des réseaux, sur multiples plateformes de réseaux sociaux. Puis je pense que là, on aurait vu beaucoup plus de. De partage de stuff d'un point de vue de multiple IP. Puis là, ben, on, on pourrait parler de euh, que ce soit les, euh, les posters, que ce soit euh, America Chavez, que ce soit LucasArts, euh, peu importe. Je pense qu'ils vont tous se mettre à mettre et en, en parler de façon régulière durant 2023. Puis je pense que ça va être là dans marketing. Parce que déjà, c'est un marketing qui coûte. Peu, parce que c'est des gens qui créent des posts puis qui s'arrangent pour que ce soit un beau post-marketing, puis c'est partagé souvent par milliers par les fans. Après, il leur reste à faire des beaux vidéos YouTube, puis euh, à payer peut-être pour des pubs pour que ça soit sponsorisé en lien avec des pièces euh, physiques. Et ça, ils l'ont dit aussi, les fidgetos, ça s'en vient. Donc attendez-vous peut-être même à avoir des Mighty Marvel en 3D physical piece que vous achetez puis vous avez euh, des, euh, des NFT ou euh, des, des, des trucs. Là. Moi, moi je serais fucking pas surpris qu'on ait un marketing qui soit tout relié ensemble comme ça. Que ce soit une sortie de film, que ce soit euh, je pense qu'on va avoir un, un gros marketing qui va être interrelié parce que ce qu'à un certain point c'est ce qui serait le marketing qui leur coûte le moins cher. Puis qui serait le plus efficace. En plus, on a une communauté de ouf. Euh, ce qui leur reste, je pense que ça va être un marketing dans le Viviverse. Puis euh, les IP Branded World, je pense que ça aussi, ça va être gros en crise. Parce que quand que tu vois euh, Coca-Cola qui s'est en allé dans cette, des Central Land, ou je ne sais pas si vous comprenez, ça a tout le temps fait des espèces de grosses vagues-là, mais qu'on aille. Disney qui s'en va dans le Viviverse, Coca-Cola qui s'en va dans le Viviverse, Givenchy qui s'en va dans le Viviverse, Lamborghini s'en va dans le Viviverse, je sais pas si vous comprenez, Lamborghini fait son showroom euh, world dans c'est fucking incredible. That's fucking crazy. So, on, on, on a un potentiel vraiment de prendre le marché quand même jusqu'à un certain point en majeure partie. J je le croirais, j'y penserais. Sauf que j'ai tellement un macro marché qui est euh, downtrend, bearish que la gang, je vous avoue que j'ai une crainte plus que je suis positif sur ce qui peut se passer. Euh, avec 2023 pour le web3 et un petit peu pour Vivi. Bon, pour Vivi, je viens de dire je suis bullish. Puis j'ai pas dit que j'étais bearish, j'étais j'avais plus peur que j'étais positif pour ce qui ce qui reste de se passer avec Vivi, mais je, je suis pas négatif. Je pense que regardez au contraire, on a du fucking euh, positif move. Euh, on a, on a beaucoup beaucoup de positifs. Je mon avis là, euh, ça là-dessus. Ouf, on a du positif, là. solide. Euh, je pense pas qu'on va avoir de quoi de négatif, je pense pas qu'il nous prépare du gros stuff. Là, T'sais, on a parlé de musique, anime, cars. Euh, je pense j'ai même vu euh, ce matin sur euh, la vidéo de Vivi Coach que là, il parlait de sport. J'ai pas trop convo... J'ai pas vu ça, mais le sport a passé. Euh, je pense pas que le NFL est parti un peu de son bord ailleurs. Donc là, je sais pas pour ça. Mais euh, moi je pense que 2023 risque d'avoir un bon potentiel pour qu'on construise puis qu'on build beaucoup de catalyse puis que mec 2024 arrive, ça, on soit super explosif. Donc, faites attention, le marché peut être brûlant et sanglant en 2023. Dépensez pas d'argent que vous pouvez pas perdre. Euh, faites attention à vos investissements, analysez beaucoup si vous avez des portes de sortie, si on parle d'emploi ou quoi que ce soit. Dites-vous, si je perds ma job là, là je suis capable de travailler chez McDo puis ils vont-tu m'accepter puis je vais essayer nourrir ma fucking famille et que ça, parce que sinon, des fois, c'est plate, mais c'est obligé de vendre des NFT que vous avez acheté il y a trois mois pour retirer euh, quelques gems de profit sur ce que vous aviez investi. Puis des fois, c'est même pas en profit. Je pense que vous allez le regretter. Donc, prenez tout ça en perspective. Mais sinon, 2023 pourrait être une nestie de belle année pour 2024. Par contre, si 2023 n'est pas une belle année, vous allez voir les prix monter. On va avoir une impression de mini bull run. Donc, si. Là, je vous présente le côté négatif, puis prudent plus tard. Si, si, si je sors mon côté fucking bullish, là, puis que je me dis, ok, bullish momentum, qu'est-ce qui va se passer? Et tabarnak. Si on est sur le bullish momentum, je pense que ça peut être beau. 2023 va, va, va être flamboyant dans la mesure où on pourra avoir un marketing de ouf. La Viviverse, si on est minimum 1000 utilisateurs par jour actifs, quasiment à temps plein, là, ça euh, qu'il y a des périodes dans la journée qui ne seront pas, là, mais. Puis qu'on a des showrooms, puis euh, des. des du marketing de ouf, puis IP Branded World, qu'on peut conduire nos voitures dans le Viviverse, qu'on a une Vivi Town Ville. Ça, c'est quelque chose que je voudrais, moi, que Vivi aille une ville euh, jusqu'à un certain point, qu'on puisse se rejoindre là ou des trucs comme ça. Ça serait ouf. Ça serait ouf. Donc, euh, prenez tout ça en perspective, soyez prudent, mais euh, je pense que 2023 pourrait être euh, une belle année. Sauf que je... mon feeling, par exemple, parce que là, je vous ai donné le bearish un peu sentiment prudent. Le bullish. Comme je vous disais, mon feeling, c'est qu'on va euh, avoir une, une légère bull run, stabilisation. Puis euh, préparez-vous 2024. Euh, fin 2023 pourrait être flamboyant. Puis je pense que 2024 et 2025, euh, ça se peut bien qu'on aille se rejoindre à la plage. Avec une belle gang d'entre vous. Puis qu'on euh, aille chiller ensemble. Puis. Euh, Boire euh, une petite boisson non alcoolisée dans mon cas. Donc, euh, yeah. Checkez ça. Puis euh, on se revoit demain, la gang. Right away. Je ne perds pas mon temps avec ça. Si c'est pas déjà fait, bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne sous la vidéo. Euh, N'hésitez pas à me laisser des suggestions aussi. Je charte des collectibles dans le View Frog Show. Je n'en charte pas aujourd'hui. Mais je vous en charte au minimum 5 par semaine. Je fais des charts. Donc, ça me prend des suggestions. Voulez-vous euh, qu'on charte... Euh, un, un, un Eduardo Rizzo, peut-être pas le bleu ici. Euh, Voulez-vous que je vous charte le Obi-Wan Kenobi? Voulez-vous que je vous charte... J'en ai déjà charté beaucoup. J'ai charté le dernier, c'était euh, le Todd. Donc, euh, n'hésitez pas à laisser des suggestions dans les commentaires à ce sujet. That's it. That's all. Peace. Let's go. Yeah. I'm like an addict do I gotta have it I ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till I'm doomed in a casket.